Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Cette édition d'Insens Format qui a nos moulamba sur la réalisation de cette édition. Instant Sport. À la une ce soir, nous aborderons les éliminatoires de la CAN féminine de football Maroc 2024 avec le match du premier tour prévu ce vendredi à Kinshasa, salle de martyr entre la RDC et l'équipe béninoise. Nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire, Cannes Côte d'Ivoire 2023 avec le chapeau mis en place avant les tirages prévus le 12 octobre prochain. Nous reviendrons également sur la Ligue nationale de football avec une réprogrammation de rencontres. Nous vous y reviendrons. Instant Sport. Pour que vous soyez à la pointe de l'actualité sportive. Encore une fois, amis sportifs, salut et bienvenue dans cette édition d'Instant Sport. Éliminatoire Cannes-Maroc 2024, il s'agit de la CAN de football chez les dames. La RDC joue le match du premier tour, c'est vendredi à Kinshasa, au stade de Martyr. L'adversaire du premier tour s'appelle le Bénin. Il faut noter que ce jeudi, le coach Marcelo Kaliamba de la RDC était en conférence de presse d'avant match au siège de la FECOFA, accompagné de sa capitaine Francine Ngoy, sélectionneur des Léopards d'âme, très confiant de son groupe et pense que tout ira mieux avec l'accompagnement de tous. On va les écouter. Merci beaucoup. Bien sûr que les dames sont venues de différents horizons, mais toujours ici nous parlons d'une équipe. Nous ne parlons pas des ailes, aile droite, aile gauche, pas du tout. Il y a 24 que nous avons appelés, c'est le 26 qui était prévu. Il y a deux qui ont été débarqués, et là nous en avons 24. 24, mais si la liste de la CAF, ça fait 21 noms. Nous l'avons retenu. C'est vrai, vous dites que le temps est très court, mais toujours que les critères ont été rigoureux, dans ce sens que les filles, bien qu'elles sont venues en retard, enfin, c'est-à-dire trois jours comme vous les dites là, elles ont quand même quelque chose dans les jambes. Vous avez dit que ça fait très longtemps, nous évoluons avec les filles qui évoluent localement et que ça marchait tant bien que mal. Il faut vous mettre en tête que ce sont ces mêmes filles-là qui sont parties il n'y a pas longtemps à l'extérieur. C'est avec elle que nous avons eu à jouer dernier. C'était avec elle, la plupart avec elle. Notre dernière rencontre de compétition que nous avons livrée en Guinée équatoriale, c'est avec la plupart de ces filles qui viennent de sont rentrées aujourd'hui. Parce qu'il y a pas de grand changement, mais il y a vraiment un changement. Parce qu'on travaille, on se connaît déjà depuis longtemps. Parce que moi qui avais amené la délégation, parce qu'on attendait, il y a une fille qui vient de la France, elle s'appelle Nalula. Nous sommes rencontrés en Turquie pour revenir ici ensemble. Par rapport à nous, nous sommes vraiment au point. Il y a une bonne morale par rapport à ça. Nous sommes en plein championnat. Donc, on se connaît avec l'équipe, avec celle de Mazembe qui vient de nos régions, qui était venue de mercredi soir. Donc, on se connaît à 100%. Pour ça, parce qu'elle vient jouer la Ligue des Champions. Nous sommes en plein championnat. Nous sommes en plein championnat. Quand on joue le samedi, il y a des gens qui ont joué à l'extérieur pour rentrer dans leur province et pour nous rencontrer pour revenir ici. Moi, demain, c'est moi le soutien de tout le monde. Je suis le soutien de tout mon chef de l'État, et puis le supporter pour venir nous soutenir. Donc, on dit bonjour à la maison. Nous sommes chez nous. Donc, on ne peut pas laisser la victoire par nous.
On va demander seulement la motivation de tout le monde, de venir nous soutenir pour le match de demain. Donc ils ne seront pas déçus pour moi. Le match se joue donc, c'est vendredi 22 septembre à 15h30 au stade de Martyrs. Alors de leur côté, les staffs donc de la Guinée triple compte sur la solidarité de l'effectif en sa possession. Les staffs du Bénin se sont préparés pour faire un bon match à Kinshasa, c'est un fou rien. Coach du Bénin et la capitaine Noëlla Abamon au micro de Jean Viendoua. Alors, le gouvernement a fait plusieurs instances que les services internationaux dont vous parlez, elles ont quitté le Bénin pour aller à l'Europe. Ouais, non. Ça veut dire qu'elles sont parties du Bénin, ça veut dire qu'elles sont déjà ancrées dans le groupe. Donc, c'est pas parce qu'elles sont en Europe qu'elles oublient tout ce qu'elles avaient vécu avec nous. Donc, c'est un groupe qui a cité. On a eu la chance de jouer récemment le tournoi olympique, la qualification olympique. Ça veut dire que c'est un groupe qui se connaît. Bon, un match n'est jamais facile. Un match n'est jamais facile. Mais nous sommes préparés pour quand même. Une bonne prestation ici au Congo. Et nous passerons à 11, nous serons aussi à 11, et donc on essaiera de donner le maximum pour faire un bon résultat. Si vous parlez de au-dessus, c'est être égoïste. Au football, il n'y a pas une théorie comme mathématique où au petit, tu as commencé avant moi, tu vas réussir avant moi. C'est sur le terrain, ça se voit. Il y a des gens qui commencent une préparation peut-être en championnat de 2 mois avant. Mais il y a d'autres qui commencent une semaine et qui arrivent à battre les autres. Comment ça s'explique? C'est la conscience. C'est la confiance en soi. Si sur le terrain, demain, je suppose qu'elles sont en confiance plus que nous, soyez sûrs, elles vont gagner le match. Mais là, si on ne se prépare depuis 2 semaines ou 3 semaines, on n'est pas en confiance, on ne peut pas bien jouer. Donc, si elles ont commencé après nous, on va gagner. Si c'est trop tôt. C'est demain, on saura qui est prête sur le terrain. Donc là, la mission. Je leur ai dit, ben, sur le terrain, jouer comme si de rien n'était, même si l'adversaire est fort, puisque nous, on est là pour jouer et c'est notre job. Parce qu'il y en a qui ne font que le foot parmi nous. Donc sur le terrain, demain, ce que moi, j'essaie de leur dire, oubliez tout ce qui se dit, il y a ça, il y a ci, mais allez sur le terrain en disant, je veux me rendre fier de moi-même. Allez, il faut noter qu'elles sont prêtes, les Congolaises, pour défier cette équipe du Bénin. Et il y a encore une autre réaction que nous allons proposer, trouver à l'entraînement au milieu de ses coéquipières, l'ancienne de Bikira, aujourd'hui sociétaire de la Roche Vendée en France, deuxième division. Elle est déterminée, elle tient à passer ses tours. Elle, c'est Déborah Ngalula, on va l'écouter. Ça va? Oui, ça va. Comment vous récupérez-vous? Ça se passe bien? Oui, ça passe bien. Oui, ça passe bien. Oui. Les entraînements, ça va? Oui, demain on s'attend à. Il faut attendre et puis parce qu'on va faire les résultats positifs. Parce que dans l'ensemble, ça se passe bien avec les groupes de ceux qui jouent ici et nous. Il y a une bonne cohésion entre nous. Et on espère gagner demain. Oui, c'est promis. J'ai trouvé l'occasion, je marque. J'ai trouvé l'occasion, je marque. Merci. Les femmes de médias soutiennent également les léopards de la RDC, les léopards d'âme, représentés ici par Pitota, qui va parler ici au nom de toutes les femmes qui œuvrent dans les sports au niveau des médias. On va l'écouter. Notre message, c'est comme toujours, nous avons toujours été derrière toutes les léopards féminines. Et cette fois-ci, ce sont les léopards d'âme qui jouent pour le code des éliminateurs de la CAN et aussi les Jeux Olympiques. Il faut savoir que c'est très important pour nous les femmes. Nous demandons à toutes les femmes de venir, mais nous demandons plus aux gens d'être présents, parce que seuls nous ne pourrons accompagner ces filles. Déjà, vous avez vu qu'elles sont motivées, il y en a qui sont venues de l'étranger. Nous sommes descendues à la SECOFAB justement pour les encourager et dire tout notre soutien. Toutes les femmes des médias, où qu'elles soient en RDC, sont derrière cette équipe. Bonne chance pour demain. Batou Nyo Sobaya, ma maman Nyo Sobaya, les députés, toutes ces femmes députées, tout le monde à Rabango, Basala, Nassima, Balé, ou par messieurs, tout ça, après, pour ça, Rabango, je ne peux pas les citer, tout ça, pour ça, ma maman députée, ma maman Yawedi, ma maman maraîchère, ma maman Nyo Sobaya, Tokutana,
lobby na stade, stade est au fini. Ma jeune fille, ma tiktokeuse, ma tout nion sort. Bah, na stade des martyrs, lobby, qui a zéro na soutenir, bah, na basi na biso, ou ma covid à nous. Il faut stade n'inga, na basi ba n'ing san zungu wana, pour que, mison de ba kolon zungu, ton n'ing san zungu, ou bah, na biso tamou ba kou continue, bah, la qualifié na kate. Patricia Bitota au micro de Digital Congo. Allez, on va donner quelques nouvelles avec ce match qui est confirmé entre l'équipe de Céleste et la formation de Maniema Ignol et Kindou. Le match se jouera ce samedi ici à Kinshasa au stade Tata Raphaël. Il faut noter également ce communiqué de la Ligue nationale de football, le secrétariat de la Ligue nationale de football porte à la connaissance du public sportif en général et des clubs engagés au championnat qui, pour des raisons d'organisation, la grille de match est revue comme suit. AS Simba Saint-Éloi-Loupopo remis à une date ultérieure et le match Don Bosco Blessing est renvoyé au 30 septembre prochain. Voilà, amis sportifs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté attention, bonne suite et le programme sur votre radio. Tous les soirs, l'équipe des sports de Digital Congo FM vous invite à vivre Instant Sport. X Londres. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.